Je pense qu'elle s'est un peu plus réveillée dans la construction avec l'entrée de Griezmann, où là on a senti un joueur qui sait à la fois descendre au milieu de terrain et exploser offensivement. Il sait bien se mettre entre les lignes, ce que peut-être n'a pas fait un joueur comme Lacazette. Et là, automatiquement, il a fait parler sa technique, mais en allant toujours de l'avant. Maintenant, j'ai pas senti cette équipe de France dans les duels être très concentrée et vouloir absolument prendre le dessus. Ils attendaient surtout des pertes de balles des Albanais, beaucoup plus que d'aller prendre le ballon dans les pieds. Et c'est là qu'un joueur comme Matuidi est très très important, puisqu'il a cette faculté à pousser son équipe, à aller de l'avant et à défendre en attaquant l'adversaire, ce que n'a pas fait l'équipe de France du début jusqu'à la fin du match. Ça allait un petit peu mieux, c'était un peu plus poussif. On a senti même les Albanais avoir du mal à ressortir le ballon et être un petit peu émoussés physiquement. Mais dans l'ensemble, je pense que cette équipe de France, même si c'est des matchs amicaux, doit montrer autre chose que ce qu'elle a montré ce soir. Il y a eu incontestablement rectification des manques de l'équipe de France. Il y a eu aussi des changements. Il y a eu des garçons qui, lorsqu'ils sont entrés, ont énormément apporté. Et d'une manière générale, l'ensemble de l'équipe a eu un investissement beaucoup plus important qu'il ne l'avait eu au cours de la première période. Donc, ceux qui avaient commencé un petit peu plus concernés, ceux qui sont arrivés, qui ont apporté de la fraîcheur et aussi du talent, on le verra sans doute à l'occasion du but d'Antoine Griezmann. Tout cela a fait que l'équipe de France a ressemblé à celle que l'on avait l'habitude de voir ces derniers temps et que l'Albanie a de très rares exceptions, mais avec talent aussi, car n'oublions pas deux arrêts très difficiles de Hugo Lloris. L'Albanie n'a pas pu imposer son jeu et sa loi comme elle l'avait fait quasiment au cours de la première période.